Ce soir, il y a la rencontre entre le Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain au stade Félix Bollard de Lens. Et à peine 16e de finale terminée, place au 8e de finale. Voici les qualifiés en attendant la rencontre entre le Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain et les informations sur le tirage au sort. Les 16e de finale de Coupe de France se terminent ce soir et à peine terminée, place au 8e de finale. À l'heure où je vous dis ces lignes, aucune surprise n'est à relever. Pour le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de France, il faudra attendre ce soir, 19h, et l'événement sera à suivre et diffusé à la télé sur beIN Sports. Les rencontres se dérouleront en semaine, le mardi 7, le mercredi 8 et le jeudi 9 février. On va faire le point sur les qualifiés. Donc on a la qualification de l'Olympique de Marseille qui a battu le Stade Rennais, la qualification de l'Olympique Lyonnais qui a écrasé Chambéry, la qualification du Toulouse Football Club contre l'AS Ajaccio, la qualification du Stade de Reims, la qualification de Grenoble, la qualification de Lorient, la qualification de Rodez, du Paris FC, du SCO d'Angers, d'Annecy, d'Auxerre, de Nantes, de Lille, de Vierzon, de Lens. Et la rencontre de ce soir du Pays de Cassel ou du Paris Saint-Germain. Donc on a deux clubs qui sont en dessous de notre Ligue 1 ou de notre Ligue 2. Et une, deux, trois, quatre, cinq, six, pardon, sept, huit, neuf et potentiellement 10 clubs de Ligue 1. Donc ça va nous faire avoir de grosses affiches. Donc je répète, les qualifiés pour les huitièmes de finale. OM, Lyon, Toulouse, Reims, Grenoble, Lorient, Rodez, le Paris FC, le SCO d'Angers, Annecy, Auxerre, Nantes, Lille, Vierzon, Lens et potentiellement le Pays de Cassel ou le Paris Saint-Germain. Et le tirage au sort aura lieu sur beIN Sports dès ce soir à 19h. Et les rencontres des huitièmes de finale auront lieu en semaine, le mardi 7 février, le mercredi 8 février et le jeudi 9 février. Le calendrier sera très probablement publié après le tirage au sort, dans les heures qui suivront la fin du tirage au sort.